bien tout le monde, c'est Nutiteuf, on se retrouve pour ce nouvel épisode de l'heure du duel, cette série où j'affronte les youtubeurs avec leur équipe de let's play et aujourd'hui on accueille Pyrux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et oui Pyrux est là, vous l'attendez peut-être ou pas, et donc salut Nutiteuf. Bah salut, comment ça va? Moi ça va nickel, je me suis fait une pizza juste avant. Eh ben super, moi c'était des pâtes bolognaises. Ah bah voilà, en raison de thème italien, je kiffe. Voilà, là, toi, voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, tu vois, voilà. Là on est bien, on est bien. Eh ben écoute, donc du coup, donc, tu sais qu'on va faire un combat duo avec 4 Pokémon chacun. Enfin, on va pas en faire qu'un seul, on va en faire plusieurs. C'est ça. Puisque c'est le premier à 2 victoires qui remporte le titre de gagnant. Bah voilà, tout simplement. Donc t'as la pression derrière toi, hein, t'as vu, hein, parce que si Zayoxi et Galius m'ont battu. C'est ça, donc il me doit... De gagner, ben, mais bon, de gagner. Est-ce que voilà. Tu vas réussir à faire l'exploit, hein? C'est un petit peu comme si la France gagne contre l'Italie, hein, parce que tu vois, normalement, c'est l'Italie qui gagne. Bien sûr, bien sûr, normalement. Allez, donc c'est parti, que le combat commence, et... Allons choisir nos Pokémon. Alors, je vais découvrir un peu ton équipe. Ouais, donc mon équipe, alors comme vous allez le voir, elle se ressemble à la tienne. Parce on a beaucoup de points communs au niveau du swag, tu vois. Voilà, on aime bien les mêmes Pokémon et c'est normal. Hein. Et c'est normal. Voilà, on a Camerupt, Sharpedo et Junko en commun. Ouais, c'est ça. Et à côté de ça, tu as Branett, Metalos et Macogneur. Très bien. Non, pas très bien. Mais bon, c'est pas grave quand même. Alors, on va partir comme ça. Comme ceci. Comme ceci et... Comme ce là ou pas, en fait. Ou peut-être que si, je ne sais point. Allez, on le tente comme ça. De toute façon, c'est le premier combat. Voilà, il faut un peu se jauger et tout. Voilà, c'est ça. On va se jauger, on va voir. Allez. Donc, d'ailleurs, tu t'appelles Céleste. Hein. Voilà, je m'appelle Céleste. Donc, pour ceux qui ont suivi l'aventure, c'est parce que j'avais pris Flora. Et du coup, j'ai donné le nom de ma copine à mon personnage, vu que Galius a pris le garçon. Voilà. Pour une fois, hein, c'est rare de la part de Galius. Ouais, c'est vrai, d'habitude il prend plutôt la fille parce qu'il est comme ça. Ah, il est shiny, hein, ton Branett. Hein. Ouais, voilà, il est un petit côté, parce que je l'ai capturé pendant l'aventure justement. Ouais. Un peu par hasard. Ça se voit pas vraiment en fait qu'il est shiny, Branett. Il change pas des masses, ouais, effectivement. Après, je pense que tous les shiny hunters de folie vont nous dire non, le bleu, c'est pas le même. Pas ouais, voilà, c'est ça, exactement. Alors, ok. Très bien. Donc, du coup. Qu'est-ce que je vais faire? On va partir là-dessus. Et toi, on va te faire faire... Alors moi, je pars... J'essaye quelque chose avec ce Pokémon, comme vous le voyez, la Neliel. On le voit pas souvent, hein, parce que justement, il est pas non plus exceptionnel, niveau stratégique. Allez. Et je sais pas si toi, tu l'as déjà vu. Neliel, ouais, ça vient de Bleach. D'accord, ok. Un manga, je sais pas si tu connais. Si, je connais deux noms, mais après, pas plus que ça. Voilà, là, c'est un truc qu'il fallait pas dire devant moi. Il faut regarder Bleach, c'est tout. Je connais déjà deux noms, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais tu connais un peu les mangas? T'aimes bien les mangas? J'aime bien, mais je regarde pas. Okay. Parce que j'ai pas le temps de regarder. Un jour, promis, je regarderai un manga pour toi. Ok, parfait, bah, tu prendras Bleach alors. Bah, ok. Wow, hey, ça c'est bon ça! Mais d'où le one shot? Ah, ça mais d'où, mais d'où ça, tu me le one shot? Attends, t'as attaqué quoi là? J'ai attaqué pas... Voltage en fait. Mais oui, non, mais oui, mais je suis d'accord, mais c'était quoi ton attaque? Ah, c'était Tempête Verte, une grosse attaque stab. Tempête Plante. Verte, en plus t'as pris l'Orbe Vie. Allez, l'Orbe Vie, ouais. Espèce de fourbe. Ah oui, j'ai fait carrément le gros Pokémon direct, tu vois. Je me suis dit, allez. Et je me suis dit, toi, tu fais clonage. Enfin, soit tu fais clonage, soit t'attaquais. Non mais... Ah là tu m'as saoulé. Là vraiment... j'ai pas vraiment kiffé là ce que tu m'as fait. Alors du coup je vais réfléchir avec ma tête. Ok, on va partir comme ça. Et on va partir... On va partir comme ça. Allez. Alors, on va faire ça. Alors du coup, vu que, je sais pas si t'as vu, j'ai fait la distorsion. Aha. J'ai fait la distorsion et du coup, bah, tous les Pokémon qui sont plus longs attaquent en premier. D'accord. C'était le principe de l'attaque.
Ouais, j'ai vu que tu l'avais faite. Aïe, il fait mal! Il fait mal, ouais. Ah, coup critique, c'est pour Ah, ça. je me disais qu'il faisait un peu Je me trop disais mal. aussi. C'est vrai que même moi, j'ai trouvé ça bizarre, tu vois, c'était. Je me suis dit, oulala, il y a un souci. Alors, je vais mettre Chaudasse, tiens. Chaudasse. Là, voilà Ok. la cochonne, regarde-moi D'accord. ça, regarde-moi ça. Ok, très bien. Ah, t'as Je aussi une vois, je femelle en plus. vois. Hein. Alors. Coup, je suis un peu dans la peur là. T'es un petit peu dans la peur. Je suis même totalement dans la peur. On Sont-le. va tester ça. Allez, on va tester ça. Ombre portée. Attaque à priorité pour casser ton clone, c'était mon but. Voilà, maintenant je vais crever parce que bah tu attaques en premier. À moins de, je sais pas ce que tu fais. Alors j'attaque en premier parce que je suis plus lent, ça veut dire, tu vois, de base, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, je fais des dégâts, je fais mal, il résiste! Il résiste le con! Oh le Il cochon résiste, malade! mais il Oh est le... fort! Ah, il est fort, effectivement. Oh yeah! Ah! Ouf. C'est pas grave, c'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup. Je suis plutôt content de lui. Il a résisté à un PV ce mec. Un Il est PV. normal, tu vois. Un PV, sérieux? Mais oui, il lui reste un PV. Sérieusement, on croirait que c'est genre une Center Force alors que tu me l'as fait jarter juste avant. Normal. Alors. Ça s'arrête un jour ta distorsion ou pas? Oui, ça s'arrête. Ok. Ah, je la sens pas bien là. Je la sens pas bien. Je vais faire mon petit truc avec distorsion. Ah, mais je suis pas sûr que c'était bien. Bon. On verra bien. Je suis dans le doute. Allez. Camille éruptée KO. Ok, bon, c'était prévisible hein, qu'il soit KO. Sabotage. Complète, ok. Okay. C'est plutôt tendu, hein. Là, je sais pas. Et du coup, t'as fait tomber mon objet ou pas? Oui. Ouais, ok, d'accord. Je sais plus si elle est revenue normale la distorsion. Parce qu'il y a un petit message qui est écrit. Ouais, ça doit être. Est-ce que ça sera suffisant? Non, ce sera pas suffisant. Non. Allez, allez, allez! Oui! Ah! Ouh, c'était chaud, c'était chaud. Ouais, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Bon, j'ai joué un peu avec le feu, avec ma petite distorsion random, parce que bon, t'avais quand même pas quelqu'un qui était lent. Bon, Ouais. je le savais, hein, parce que je connaissais, j'avais vu ta team par hasard, enfin par hasard, avec Galius, quand Par j'ai vu le hasard, match. oui, tu l'avais vu, quoi, Et du mais coup, t'as j'ai droit. vu Camerupt, et bah, je me suis dit, bah, si tu le jouais direct, Ouais, bien ça pouvait sûr. être. Alors, voulez-vous enregistrer? Non. Enfin, je l'ai ici, de toute façon. Hein. Bonjour, voilà. Et sinon, Bonjour. alors, bah, deuxième Donc match, du coup. du coup, ça te fait une victoire. Voilà, une victoire, et du coup, bah, c'est deux victoires gagnantes. C'est ça. Et on est reparti pour un match. Donc là, Alors. si tu gagnes, t'as gagné, quoi, disons-le. C'est ça. Donc, il n'y a Alors, pas pas besoin vraiment de de. choisir, je vais juste. Bon, je fais ça après. Chercher de la batterie. Enfin, la batterie pour mon Ok. ordi. Ah bah vas-y, 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 va la chercher. Ouais. Ah. Histoire de pas. Alors, est-ce que je vais changer un petit peu? Je ne sais pas. Est-ce que je vais changer également? Ça.
Allez. Fou. J'ai peur. Bon, allez, change de technique. Je regrette déjà. Je suis déjà dans le regret, là, ça y est. T'as pris quoi, Ledel? Est-ce que t'as fait l'erreur de prendre Monsieur Ledel? Non, c'est pas une erreur. Ça dépend comment tu le joues. Je ne dirai rien. Ah, il a pris. Il a pris Ledel. À tous les coups. Drago. Et oh, pour l'instant, je fais mes petits câblages, y'a pas de soucis. Okay. Mais vas-y, vas-y. Ok. Pas de soucis. Métallo, Drago. Alors, c'est bon. Allez. Allez, tentons-le comme ça. Ok. Normal. Tu t'en doutais. J'ai... Ouais, celui-là, ouais. Genre. Oh ah, oui. Merci la ceinture force. Cochon malade, mais bon, ça va. Ah ouais, mais d'accord, mais tu fais le séisme derrière. Putain. Ouais. Ah, ça m'a saoulé. C'est quoi ton qui vient au premier tour là, ça m'a saoulé. Possible. Alors qu'est-ce que tu vas me mettre? Ah, on va faire ça. Non. Ah bah non. Je peux pas du coup. Ah, allez, on va faire ça. Toc, toc. Allez, c'est parti. Alors là, ce que j'ai fait, enfin j'explique, tu vois, si jamais. Ouais. J'ai essayé de. Je me suis dit que t'allais faire surchauffe, peut-être sur Metalos. Alors je me suis dit, je vais mettre Camerup pour résister. Mais est-ce que t'as fait ça? Je sais pas. On verra bien. Ou alors t'as fait carrément sur Junko, ce qui est aussi possible. Mais sachant que j'avais fait Attempt de Berthe et du coup il était plus faible, je sais pas si ça valait la peine de le faire sur lui. Mais tu fais Exploforce, ça, ouais, t'as les couilles. Ah, t'es comme ça, toi. Ah ouais, ah ouais. Alors j'ai ramassé. Voilà. Du coup, je me tue. Ah non, ah non, je me tue pas. Je pensais non, que non, tu tues pas. Non, je voulais faire un petit peu de dégâts. Je vais enlever le clone déjà et je voulais faire un peu de dégâts à voltage. Avant de mourir. Avant de mourir, ouais. Ah, t'as le lance-flamme, toi, ok. Ouais, j'ai pas voulu partir sur le surchauffe parce que. Pas envie de baisser les stats. Ok. Voilà, voilà. Alors. Donc si t'as pas surchauffe, peut-être que je peux résister. On verra bien. Je tente. Je suis dans l'hésitation, c'est bien. Allez, on part comme ça. Allez, résiste, résiste. Il résiste, il résiste, c'est bon. Ok. Psy coup de boule. Ah ouais. Ah, coup critique. Je sais pas si en classique il l'aurait tenu ou pas. Alors. Squalo. Ah, lui je l'ai pas vu. Lui t'as pas vu, non. En voilà un que je n'ai pas vu. Mm-mm-mm.
Hesitation. Ouais, je pense que... Allez. Que je vais te paumer, là. Ah, je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Si, si. Tu m'as outspeed. Tu m'as outspeed. Et vu que j'ai pas de turbo, parce que c'est un sharp pelo normal. Non. Alors, ouais, mais... Non, mais tu me tues après. Ouais, mais non, parce que... En fait, je pensais que ton méga Sharpedo tenait mieux le Giga Sensu, donc... Ouais, non, quoi qu'il arrive, ça va. J'ai fait un gonflette, en fait. Mm-hmm. Ah ouais, mais de toute façon, tu n'avais rien contre le... Ouais. Mais bon, ça va. Le petit. Ok. Du coup, bah, je vais te faire... Oh, du coup, bien joué. Attends, c'est pas encore gagné. Laisse-moi réfléchir. Mais non, attaque. Je peux pas t'en tuer deux, donc tu peux attaquer. Ouais, je sais que tu peux pas m'en tuer deux, mais... Le truc, c'est que... Ça va pas... Allez. Donc... Et vas-y, toi, tu fais un petit... Vas-y. Oui, j'ai fait Giga Sensu. Okay, ah, ça te tue. Ah, le Giga Sensu te tue. Tu vois, ouais. Je pensais pas. Ouais, mais non, je pensais pas, parce que... Quand même, mes talons, quoi, c'est de l'acier, un petit peu... Ouais, c'est pas méga, tu vois, c'est le style. Ok, ah bah c'est intéressant du coup. Ouais. Ça fait un partout. C'est ça. Mais t'as des bons Pokémon, c'est pour ça. Enfin, je veux dire, Mega Elec Sprint, il est bon. Ouais. Du coup, Sharpedo, je peux pas le reprendre. Bah, surtout que Mega Elec Sprint, là, j'ai fait attention à ce que tu me le tues pas direct. Voilà. Whoop. Et bah, du coup, dernier combat. Là, forcément, celui qui gagne, ben. Il a gagné. C'est ça. Du coup, j'hésite un peu. Encore une fois. Allez, c'est parti. On va prendre ça et ça. Ouais. J'ai peut-être mal joué. Je ne sais pas. Non, t'as pas mal joué. Non, mais si, on va voir. T'as des bons Pokémon, hein. Franchement, ils sont bien ensemble. Non, moi, j'ai des Pokémon un peu swag, ok, mais ils sont pas très bien ensemble. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu m'as pris? Ok, d'accord. Ok. Bon, finalement, ça va. Ok. Fouille. Pépitaille, ok. Hop. Allez. Je sais pas du tout si j'ai fait la bonne chose. Ça, c'est trop bizarre de jouer avec des teams pas du tout réfléchis. Enfin, pas réfléchis parce qu'à la base, tu vois. Ouais, c'est ça, mais pas stratégique, quoi. Enfin, pas. Ok, mauvaise nature, par exemple. C'est ça. La nature, chose que tu peux pas changer, ça. Petit clonage là. Pour changer. Qu'est-ce que tu vas me mettre? Mystère. Bah en fait même moi quand j'ai fait le truc je savais pas ce que j'allais te mettre derrière, tu vois. Ok, alors t'as juste pour le lol. Non, pas pour le lol, mais quand même. Dommage qu'il ait un clone. Distorsion. Ok. Ok. Alors du coup...
Allez. Ombre portail. Ok. C'est ça. Faire un peu de dégâts. Ah, séisme. Ouais, carrément. C'était juste pas. Petite Bessitrus. Non. Ah non, c'est quoi? Non, pitaille. Attaque spéciale, ok. Et comme ça, je te tue avec mon giga sensu. Ok. Bonne opération, je suis content. Et je pensais qu'il le tenait pas, hein, le séisme à mon... S'il le tenait pas, j'étais dans la merde. Ok. Ah, ça c'est marrant. Le même combat, le même affrontement. Éruption. Ah non, c'est pas ce que je fais. Bien, Lucas, c'est bien. Bon, écoute. Mouais, bon, allez. Non, encore un PV. T'es sérieux? En plus, c'est un coup critique que t'as infligé à non, le sapin. Non, mais le sapin, c'était bon. Mais oui, mais t'aurais pu l'infliger à l'autre, quand même. Ouais, j'avoue. Ça aurait été plus sympa pour toi. Oh, putain. Ah, j'ai pas de chance. Là, ouais, t'as pas de chance, là. J'avoue. Ouais, comme tu dis. Ah, c'est de la merde. J'ai dans la grosse mouise. Mais t'as plus qu'un seul Pokémon? Ouais. Ah, c'est ton dernier, ça? Oui. Mais d'accord. Ok. Ok. D'accord, très bien. Ouais, de toute façon là T'as deux fois un PV le caméra. Il a résisté. Non, il en a deux là. Ah, deux, ok. Ah, c'est pas pareil. Wop. Petite éruption là, comme tout à l'heure. C'est quoi ce coup critique? Non. Tu m'as pas mis un coup critique sur Bidule? Putain, on aurait dit. Ah ouais, j'aurais. Ah ouais. C'est un peu tristesse là. Non, mais c'est bon, là, le truc il va se désactiver, je pense, pour la vitesse. Ouais, on va voir. S'il se désactive, c'est mort pour moi. Ça l'aurait dit si c'était désactivé, non? Bon, en pas. Tous les cas, je te baisse un petit peu ton attaque quand même. Voilà. Ce qui sert à rien. Ah. Oui, ce qui sert à rien, mais. Ah oui, parce que t'as pas séisme. Bah, en fait, non, je suis lunette choix, en fait, je t'ai pas dit. Ah ouais! C'est pour ça que les dégâts, ils sont un peu plus élevés. C'est pour ça que tu fais tout le temps la même attaque. Et c'est pour ça, voilà, ouais. Que je peux pas changer. Tu vois, j'avais pas percuté. Je n'avais pas percuté. J'ai pas ces automatismes-là. Du coup, il est choice. Donc, en gros, ouais. Je suis bloqué sur une attaque, mais ça augmente son attaque. C'est du coup, là, ici, spécial de fois 1,5. Ouais, bien sûr. Et du coup, ouais, effectivement, j'ai la vitesse qui était avec moi encore. Et. Oh! Oh non! Ouais, mais il peut pas te mettre KO, regarde, avec quoi tu veux qu'il te mette KO, il a rien. T'as quoi, puissance cachée haut? Non. Non, c'est une PC glace. Ah! Mais t'as la vitesse qui revient avec toi. Ouais, mais écoute! Je veux bien faire toutes les manipulations possibles, mais t'as là. T'as lance-flamme. T'as quoi, dis-moi du coup? T'as lance-flamme. Lance-flamme, change éclair, tonnerre et puissance cachée, glace. Hein, ah, et du coup c'est même avec un coup critique ah. Même avec un crit sur un puissance caché, je te mets pas KO. Puis tonnerre, bah je peux pas te le faire parce que monsieur est sol, voilà. C'est ça. Ouais. Non, en fait, j'ai mal joué avec mon Daemon, j'aurais pas dû faire la première. J'aurais dû attaquer, ouais. Ah, c'est pas grave, ça montre que tu vois, tu as plus d'expérience que moi et que tu ne fais ouais, pas ça de montre conne. Que ça ouais, ça montre ça, bon. Après, on peut pas juger beaucoup avec ce genre de match, c'est clair.
T'aurais pas pu rater, ça sera jamais éruption. Non, ça rate jamais. Par contre, je sais pas si t'as remarqué, moins j'ai de PV, moins ça fait de dégâts. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pour ça que si tu m'avais attaqué avec Diamond. Donc ça aurait été intéressant. J'aurais pas. J'ai pas la connaissance de cette attaque, mais en tout cas c'est cool. Comme ça, au moins c'était très serré. Bah ouais, au moins c'était serré. Enfin, j'ai bien fait de pas genre faire une. Construire une team de A à Z, enfin avec ce que j'avais, tu vois, et de faire un truc hyper. Enfin, hyper salaud quoi. J'ai vraiment pris un petit peu ce que j'avais. J'ai essayé de prendre. Donc, comme t'as vu, j'ai pris Brannette. Ouais. Brannette. Il s'est avéré qu'il était pas utile avec la distorsion quand même. Parce que les deux fois où j'ai joué distorsion. Si, ouais, bien sûr, la distorsion, ça t'a quand même. C'était sympa. Quand même vache. Et oh. Ça changeait un petit peu, je me suis dit, j'essayais un peu de changer par rapport à ce qu'on a vu. Mm-hmm. Et bon, j'ai failli un peu foirer mon opération. Mais bon, à côté, c'est pas mal. Mais bon, d'un côté voilà, on s'amusait, c'était tendu. Les gens, je suis sûr qu'ils vont kiffer ce match. Je suis sûr qu'ils vont kiffer. Ah, parce oui, qu'ils, carrément. Ils vont croire en toi. Déjà, tous tes abonnés, ils vont croire en toi. Ils vont croire que je peux gagner, tu vois. À la suite du deuxième match, ils vont se dire waouh, en fait, peut-être. Et en fait, non. Voilà. Mais franchement, mais même le dernier match, c'était au final, ça a été serré, là, le dernier match. Hein. Ouais, c'était serré. Et puis, mais franchement, bien joué. Parce que t'as quand même fait des bons choix à des moments, quand même. T'as pas fait que des mauvais choix. Bon, après, il y a des choix, ils sont obvious. Genre, tu fais une attaque plante contre un Sharpedo, c'est normal, tu vois. Après, t'as quand même fait des clonages. Bon. Le problème avec ça, c'est que tu faisais tout le temps clonage, tu vois. Des fois, il faut choisir, Le problème, je suis d'accord, c'est que j'étais prévisible à ce niveau-là. Mais je me disais qu'en fait, en ayant fait deux fois clonage, t'allais croire que j'allais pas le faire une troisième fois, et que du coup, t'allais te dire « il va pas faire clonage », et que du coup, t'allais faire autre chose. Enfin, bref, voilà. Ouais, non, mais je comprends que tu puisses faire des petites... Mais bon. En tout cas, c'était bien fun, tu m'as fait stresser, enfoiré. Tu m'as fait stresser Et du coup, ben voilà, c'était parfait. Bah merci à toi. Donc du coup, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Pyrux. Hein. T'as fait un let's play en duo avec Galio sur Pokémon Rosa. T'en as fait un sur Pokémon Y pour ceux qui veulent voir des anciens trucs. Et c'est tu fais quoi d'autre sur ta chaîne? Sur ma chaîne, parce que comme vous l'avez entendu au début, parce qu'on parlait beaucoup au début, après on s'est concentré et du coup on parlait moins. Je parle beaucoup de manga. Et du coup, je fais des jeux manga. Donc du One Piece, j'ai fait du Bleach, j'ai fait un peu tout ce qui est connu, Dragon Ball, bientôt là, c'est ce qui va arriver Naruto. Sur la chaîne. Naruto, j'ai fait aussi, ouais. Ouais. Et du coup, je parle aussi après de manga papier, pas que des jeux vidéo. Et, d'accord. Donc je présente un peu des choses que peut-être que vous connaissez pas. Et du coup, pour tous les fans de manga, je trouve que c'est assez intéressant. Et voilà. Et j'allie tout ça à Pokémon et ça fait un bon petit mélange un petit peu pétillant comme ça. C'est bien, c'est quand ça pétille, c'est toujours cool. C'est ça. Bah en tout cas voilà, donc si vous aimez bien les mangas ou si vous avez juste envie d'aller faire un tour sur sa chaîne, n'hésitez pas, le lien sera dans la description. Et puis merci à toi d'avoir été là, c'était cool. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà, super combat. et puis écoutez les gens, n'hésitez pas à voter pour le prochain challenger. Et en attendant, moi je vous dis, n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. Ciao ciao, mangez des pizzas.